Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test produit. Je vais vous essayer la gamelle réfrigérante. Vous avez la partie gamelle et vous avez le support. En ce qui concerne le support, bon, ça reste du plastique plutôt de merde, mais bon, ça fait le job. En ce qui concerne la gamelle, hop, elle se présente comme ceci. Tous les petits cristaux bleus vont commencer à durcir et c'est ça qui va conserver en fait la fraîcheur. Elle est quand même assez lourde. Si vous partez en sac à dos avec votre chien par exemple pour une balade, je suis pas convaincu du truc. Nous, comme on va partir en balade avec, on va partir donc sans le support parce que ça fait trop. Sachant qu'elle tient parfaitement, hein, y a pas de souci. C'est plat à ce niveau-là, c'est pas le support est pas obligatoire. Première étape avant de commencer quoi que ce soit, vous la mettez au congélateur et maintenant vous attendez 2 heures. Allez, je crois que c'est bon. Je vous amène en balade. Bon, on vient d'arriver en forêt. On va partir pour 3 heures de marche. Là, elle est fraîche. Il n'y a pas de souci. On verra dans 3 heures. Ça fait 2 heures qu'on marche, on va faire une petite pause pour les faire boire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la gamelle? On peut dire qu'elle est plutôt fraîche encore, hein. Elle est froide. En revanche, j'ai quand même un petit doute à l'utilisation. On met l'eau dans la gamelle, ce que je pensais ce produit, c'est-à-dire qu'avant que ça refroidisse, on va y sécher un petit moment au soleil, hein. Ça, c'est le gros inconvénient de la gamelle de façon portative, c'est que si vous voulez que l'eau après se rafraîchisse à l'intérieur, eh ben, il va falloir attendre une demi-heure. C'est une petite parenthèse, faites quand même attention quand vous partez en randonnée avec vos chiens, pensez à bien les faire boire. Mais par petites gorgées, hein. Les laissez pas boire 1 litre d'eau, ils risqueraient le retournement d'estomac. Elle est hyper rigide, elle est lourde, elle est vraiment pas pratique à prendre en balade. Comme à chaque fois sur le concept de départ, il se trouve que dans la réalisation, impossible de rester après une demi-heure avant de les faire boire. En revanche, cette gamelle, elle peut peut-être avoir un intérêt chez vous quand vous voulez que votre chien ait tout le temps de l'eau fraîche à disposition. Pour finir, je vais vous donner mon sentiment à moi. Si j'avais pris une coupelle basique où on fout des tomates dedans et que je la mets au congélateur, je pense qu'elle serait aussi fraîche que celle-là maintenant. Après, on peut pas non plus tout critiquer. L'idée, elle est plutôt intéressante, c'est plutôt quelque chose de penser intelligemment. Il se trouve que dans la réalisation, c'est comme à chaque fois, ceux qui pensent ne font pas. Après, ce qu'il faut noter, c'est quand même le prix. Elle a coûté 3,50€. Bon, pour la note, 3,5€, c'est le prix que ça m'a coûté. On est reparti les enfants. Allez.